On termine avec les fameux clowns du rire médecin. Ils interviennent en temps normal dans les services pédiatriques pour égayer le quotidien des enfants malades. Depuis plus d'un mois, impossible de mettre leur grand pied à l'hôpital, mais les enfants et les soignants continuent de rire par vidéo interposée. Didier Morel avec Pascal Nganquin. Toujours et encore né au vent avec les enfants. Cette histoire de nez a plus de 30 ans maintenant. Mais des nez rouges eux aussi confinés, et comme il n'est plus possible pour eux de franchir la porte des enfants malades, c'est donc par la fenêtre d'une chaîne YouTube qu'ils entrent dans leur chambre. Et nous, ce qu'on fait à l'hôpital, c'est du live, c'est de l'improvisation. Là, c'est totalement différent. Il y a ces vidéos qu'on fabrique chacun dans notre coin, puis il y a en ce moment une expérimentation sur les visiocalls. On va essayer de mettre en place... avec le rire médecin, pour essayer d'intervenir en direct, cette fois-ci, avec les enfants et les soignants. Salut, ceci c'est un message pour le personnel des Mouriers. Surtout la pédiatrie. Hein. Dans chaque service pédiatrique, on connaît l'importance du rire médecin, que ce soit du Stave Roussy, comme à Necker, à Paris. Tenez le coup, Necker, j'arrive. Une thérapie du pitre pour surmonter l'enfermement et la douleur de l'instant présent. Quand je suis dans ma chambre et que je vois les clowns, je sais qu'ils vont me faire rire et me faire oublier que j'ai mal. Alors les enfants, leurs parents et aussi les soignants des hôpitaux en ce moment ont particulièrement besoin de la présence des clowns puisque depuis le début du confinement et cette crise Covid-19, on a enlevé beaucoup de présence humaine, des visites. Plus que jamais en cette période, le rire médecin a besoin de vos dons. Chers soignants, on vous adore, on vous estime, on vous aime, on vous kiffe. Les clowns gardent le cap. Chaque jour, ils offrent une capsule. Alors pour les aider à faire accepter ce bidule, ce drôle de masque, envoyez de l'argent pour les soutenir dans leur médecine du rire. Avec un masque, avec un masque, avec un masque sur le nez toute la journée. Et pour déjeuner, comment vous faites pour manger?